Alors, je m'appelle Mathias Echenet. J'ai créé la Volt en 2004. Voilà, pour être très 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 concis, j'ai créé la Volt pour pouvoir éditer d'abord la Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Et puis aussi parce que ça correspondait à des goûts de lecteurs éclectiques, mais on va dire assez littéraires. Et par rapport à une science-fiction plutôt sociale ou plutôt politique, enfin une science-fiction d'idées. Ça ne veut pas dire que les autres n'aient pas d'idées, mais on serait, si c'était à choisir, on n'est pas obligé, on serait plutôt dans la contre-culture que la pop-culture. Voilà. Donc c'était des objets un peu non identifiés. Je me suis échiné pendant des années à dire « mais nous, c'est de la littérature ». Parce qu'on avait toujours, des fois, on avait souvent des objections pour nous dire « ah oui, non, mais la science-fiction, j'en lis pas ». Donc j'ai évité le terme science-fiction pendant longtemps, maintenant je l'affirme. Même si évidemment il y a des livres qui ont tout à fait leur place en rayon de littérature générale, mais ce n'est pas la question. Donc là, 14 ans après, je suis très fier, ça a donné tout un sens à ma vie. On est à 67 livres, avec une majorité d'auteurs français, des nouveaux, des anciens. Et avec cet aspect langage, quand je parle de la Volt, et je m'entraîne pour les 15 ans qui seront donc l'année prochaine, il y a un aspect au-delà du style, c'est pas le style, je m'en aperçois après, hein, avec un peu de recul, c'est le langage. Et en fait, le langage aussi dans la science-fiction, c'est des concepts, c'est réhabiter des concepts. Et dans certains livres, on se retrouve avec des mots, on ne sait pas exactement ce qu'ils désignent, et on l'apprend justement en étant plongé dans la fiction. Dans la fiction, pas dans la fiction. Et donc voilà, à travers des romans et des nouvelles, on fait aussi des anthologies, dont une, par exemple, là c'est totalement politique puisque c'était le travail demain, avec la bande des Voltés. Donc ça c'est la Volt. On peut parler de plein de livres, mais voilà, ce qui compte c'est les auteurs, et donc c'est accompagné des auteurs français, et on a quelques traductions d'auteurs anglais ou une suédoise, là récemment, qui disait d'ailleurs sur scène que le langage, et d'ailleurs c'est le thème, le langage crée le monde, donc je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et on prépare les 15 ans et d'autres événements pour 2019, mais ça sera pour une autre fois. Dans la science-fiction, aux Utopiales d'ailleurs, je me souviens même mes premières Utopiales, il y avait des auteurs, il y avait Jean-Marc Ligny qui avait un projet depuis très longtemps d'univers. Il disait, c'est sa manière de dire, hein, bon la catastrophe c'est sûr, hein, elle est là, mais c'est à nous auteurs de science-fiction d'inventer d'autres mondes, c'est ok, qu'est-ce qui se passe après, voilà. Et donc ça titille toujours les auteurs de science-fiction de construire quelque chose, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher, il faut que ça se passe mal. Et donc on a très peu de romans, hein, étrangers ou français, utopiques réellement. Donc voilà, cette idée, elle était restée dans un coin de ma tête pendant un moment. Et puis j'ai eu un texte de Philippe Curval qu'on édite, qu'on adore. Un texte incroyable qui a effectivement pas un format de roman, parce qu'une novella, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est une grosse nouvelle ou un petit roman. Et ouais, ce texte, il est magnifique. C'est une vraie utopie. Puisque la société ou le concept de la société n'est pas remis en cause à la fin du roman, il faut qu'il y ait des choses qui se passent mal, sinon il n'y a pas d'histoire. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose. Bon, en plus, il est poétique, enfin, il y a une sorte de déclaration d'amour incroyable. Enfin, voilà, c'est un petit bijou et je me suis dit, bon, ben voilà, on lance la collection. Et puis après, voilà, après, on s'est dit, ça s'appelle Utopie, Utopia, Utopia, tout ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de donner le mouvement. Donc la suite, on ne sait pas exactement, il y a plusieurs auteurs qui sont intéressés. Mais est-ce qu'ils vont réussir à écrire une utopie, c'est-à-dire pas mettre tout par terre à la fin de leur histoire? Je pense quand même que la bonne littérature n'est valable que par le style. Pour moi, le style, sans le style, les idées ne portent pas. Donc il est important de travailler la langue et donc elle a besoin d'une certaine pérennité de façon à pouvoir transmettre. Si elle change en permanence, bon, je pense qu'elle change avec le temps. C'est normal qu'elle évolue. Même moi, ma langue a évolué au cours des 70 dernières années pendant lesquelles j'ai écrit. Mais malgré tout, on a besoin d'avoir une langue
établi de façon à pouvoir, à travers la langue, justement, écrite. Autant la langue orale peut se développer d'une manière un peu empirique et amusante, c'est un peu ce que j'ai essayé de traduire dans la première partie de Black Bottom, autant si on veut véritablement communiquer, je pense que la langue la plus belle, l'écriture la plus travaillée, est la seule qui peut permettre de faire passer des idées. L'utopie est quand même quelque chose de très important, puisque finalement je crois que toutes les dystopies partent d'une utopie. Parce qu'une société, c'est toujours une utopie. Même si elle n'est pas réussie, c'est quand même un projet qui est fait, composé par des centaines de milliers de personnes qui essaient de vivre dans un endroit qui s'appelle la France, par exemple, et qui essaient de construire quelque chose où tout le monde peut s'entendre à peu près de façon à pouvoir vivre ensemble. Donc c'est un projet d'utopie, même s'il y a des quantités de choses qui fonctionnent mal. C'est malgré tout, et donc ces dissensions qui interviennent aboutissent à pratiquement toujours, dans les mots de science-fiction, à une dystopie. Mais je pense qu'en créant un monde complètement imaginaire, que je ne pense pas du tout pouvoir réaliser dans les moments qui viennent, ni même dans les peut-être 100 ou 200 ou 500 années qui viennent, réaliser une véritable utopie, c'est-à-dire un peu celle que je décris dans Un souvenir de Loti, qui est un monde complètement construit par un dieu qui n'existe pas, qui s'appelle Mandrake, et qui est totalement artificiel, dans lequel il y a des êtres absolument invraisemblables, dans lequel on lit sur les ailes des papillons, dans lequel il y a des ballons dirigeables qui promènent des poèmes, dans lequel il y a des niches qui sont des êtres invraisemblables, il y a des quantités d'extraterrestres de formes plus ou moins bizarres, il y en a même en forme de chaise. Alors on m'a demandé comment peut-on faire l'amour avec quelqu'un qui est en forme, une femme qui est en forme de chaise. Je dis on s'assied dessus, c'est très simple. Voilà. Donc j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire une utopie assez passionnante en amenant un maximum de mon imagination pouvait produire, en allant jusqu'au bout de la folie, mais en la maîtrisant, c'est-à-dire en rendant plausible dans un monde imaginaire un monde utopique. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce monde utopique, on peut quand même tracer des itinéraires d'aventure, puisque les divers personnages qui existent ont leur vie propre et donc ils vont se trouver confrontés à des problèmes de l'utopie, puisque finalement, c'est toujours mon idée stirnérienne que n'importe quel homme peut aller jusqu'au bout de ses désirs et de ses volontés, mais la limite est la volonté et le désir de l'autre, voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu montrer. En même temps, c'est un hommage à ma femme qui est disparue, puisque c'est une triste fin.